Warren, bah, déjà donnez-nous une nouvelle. Vous étiez un peu inquiet dimanche sur les conséquences de la chute, sur les douleurs physiques que vous aviez. Comment ça va après une journée de repos? Ouais, ça va. Ça va toujours bien après une journée de repos. On verra sur la route comment c'est, mais ouais, j'espère que ça va le faire. Il reste 3 chances pour essayer d'aller gagner une étape, donc je vais tout faire pour mettre ces chances-là de mon côté. Et aujourd'hui, c'est une belle opportunité. Vous pensez que c'est une étape? Ouais, c'est une belle opportunité, hein, malgré que je pense que ça va être les hommes du classement général qui vont jouer la victoire aujourd'hui. Ils ont eu très peu d'occasions, ou ils sont laissés très peu d'occasions pour jouer le classement général. Et aujourd'hui, c'est vraiment une journée typique où ça peut jouer. Donc on verra sur le final comment ça se passe. Mais vous pensez que ça va vraiment se décanter? Parce que jusqu'à présent, en fait, on a plutôt été déçus, si je puis dire. Ouais, je pense en fait tout le monde attendait vraiment cette semaine qui est difficile, avec 3 belles étapes de montagne. Donc je pense la première... Je pense qu'il y a une équipe qui va essayer quand même pour voir si c'est possible de déstabiliser le général. Pour vous personnellement, il y a l'objectif de l'étape. Est-ce qu'il y a l'objectif du classement de la montagne aussi? C'est encore possible pour le moment? Non, ouais, c'est vraiment l'étape. C'est la principale des choses. Quand j'étais devant, j'ai jamais pensé à marquer forcément les points. Donc ouais, c'est principalement la victoire d'étape. Merci Warren, bonne chance. Merci.